Hey, what's up les gamers, c'est Atomix Driver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je trouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Une vidéo qui va vous permettre de réussir le contre-la-montre que propose Rockstar cette semaine, c'est le contre-la-montre du canal d'évacuation, que vous devrez réussir en 38 secondes et 500 centièmes. Donc, pour le réussir, je vous conseille d'utiliser une moto rapide telle que la Akuchu. Donc, la première ligne droite, dès que vous engagez le contre-la-montre, vous la faites en roue arrière. Ensuite, vous changez de côté en utilisant le pont qu'il y a au milieu. Tant pis si vous allez dans l'eau, ça ne vous ralentira pas. Ensuite, la grande ligne droite, vous la faites en roue arrière au maximum, donc vous tournez vraiment à la fin pour faire une plus grande distance en roue arrière et donc gagner plus de vitesse. Vous allez voir, vous voyez, je tourne vraiment quasiment à la fin. Ensuite, une fois arrivé là, vous allez devoir changer de côté, donc comme ceci. Voilà, là, vous faites le saut en évitant bien sûr le pont et puis vous remportez le contre-la-montre tranquillement, les mains dans les poches. Après, vous payez 1025$ pour la Akuchu, mais ça c'est pas grave, on vient d'en gagner 51 000. Donc ça reste potable quoi. Vous pouvez rejoindre mon crew, c'est le What The Cuff Gaming, c'est un crew Xbox One. On vous aide à faire de l'argent, de l'RP et des glitches comme le glitch d'argent qu'il y a en ce moment. Et puis on se tape des bons délires. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, tous les liens se trouvent dans la description de toute façon. Et également sur le Social Club, n'hésitez pas à m'inviter en ami, je vous accepte. Et puis voilà. Pour ceux qui jouent avec moi, je suis sur Xbox One, mon pseudo est dans la première ligne de la description. Donc voilà, n'hésitez pas, pareil. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, geek et bien, salut.